Ok les potes, nous, Real Boutique, on est également le 7 décembre aujourd'hui. Oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner comme d'habitude. Et on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a beau ce soir? Ah bon, le jeu de Fortnite et ma victoire royale. Tiens, c'est nouveau ça, je connais pas celle-là. Conquête. Oh. Ok, c'est la bannière avec... Ok, ça c'est nouveau. Donc vous avez du coup votre bannière. C'est lever votre bannière avec les mottes. Oh, c'est stylé. Pourquoi? Ouais, peut-être que je vais la prendre. Je sais pas encore. Ça me tente bien. Le retour de skin Guirlandine. Du coup, à 800 V-Bucks. On a tous les skins un peu bas de reine. Alors, moi, le pack il coûte 400 V-Bucks parce que bah, je fais une partie du pack. Donc, j'ai le skin. Du coup, bah, le fameux reine qui est sorti. Merde. Ma souris qui est en train de bugger, les gars. Parce qu'elle est en train de rechercher la batterie en même temps. Dolph, du coup, qui est sorti il y a 2 ans avec son sac à dos. On a également le premier skin, l'un des premiers, mais c'est pas le tout premier. Mais là, c'est l'un des premiers skins de Noël, l'écumeuse nez rouge. Avec du coup celui-ci, qui est sorti aussi l'année suivante. Donc c'est du coup, là, il y a quand même 4 ans. Il date quand même le chasseur de nez rouge. Avec du coup l'éticolette qui est un peu moins vieux, mais quand même. Il y a quand même un moment qui est sorti. Donc ça fait quand même plusieurs choses en boutique. Qui sont sortis pas à la même période, mais qui sont tous des reines, quoi. Donc 1200 V-Bucks, 1500 également, 800 V-Bucks, 800 V-Bucks, la pioche avec. Ouais. Ensuite également la nouvelle emote. Du coup, 400 V-Bucks. Le retour des chevaliers araignées, 2000 V-Bucks. Le skin araigné, 2000 V-Bucks. Avec leur pioche à 800 V-Bucks plus le planeur à 1200. Bon, là, c'est un peu Halloween, mais bon. Également, leur vêtement toile de la veuve. Du coup, qui est plutôt stylé et animé, légèrement. Je vais vous montrer sur les armes à quoi ça donne. Ça vous donne une petite idée en question. Je vous montre une par une. Voilà. Ensuite, on a également Ladybug, qui est le skin dinosaure. Donc, version obscure. Parce qu'il y a plusieurs sortes de dinosaures. 1200 V-Bucks chacun. On a également, pareil, le petit collette à 800 V-Bucks. Et on a également le rapace, le hardy. Du coup, qui est d'ailleurs comme PNJ sur la carte actuellement, pour ceux qui me demandent, ce PNJ là est sous la carte, il se balade sur la carte avec sa petite pioche. Du coup, hache de serment. Ok, ok. Bon, là, vraiment une grande boutique, j'ai l'impression. La chevaleresse rouge, du coup, la première skin chevaleresse version femme, précisons, parce que la version homme et femme, bref, vous avez compris. Mais c'est le premier qui n'est pas dans le pass de Groba qui est en boutique. Donc voilà, également sa petite pioche. À 800, on a également le skin ruby. Bon, là on la connaît bien. Sorti chapitre 1, c'est bon, on la connaît plutôt bien. Qui connaît pas le skin ruby, première version. Tout le monde le connaît, je pense, ce skin. Avec le planeur, on a également Body Quotidienne, le retour du skin Artica. À 1200, on a également le retour de Super Subversive. C'est toujours aussi bizarre les noms des skins des fois. 800 V-Bucks. Le revêtement édition spéciale, donc c'est un revêtement en forme. Bah. Papier journal, quoi, du journal. Voilà, bref, vous avez capté. L'étoile filante, petite piste musicale. À 200, cerf-volant. Du coup, petite danse plutôt marrante. À 500 V-Bucks. Turbulence. Attends, t'es pas rare cette danse-là? Ah, si, c'est une des danses rares. Qui va sortir sûrement pour le prochain chapitre. Deuxième danse rare dans la boutique, les gars. Hier, il avait la danse au KLM. Et là, c'est la deuxième danse. Oh, voilà. Alors là les gars, je vais faire le pigeon. Oui. Je la voulais, je la voulais celle-là en plus. Je suis un pigeon. Voilà, pigeon en commentaire. Ok. Cette danse, je la voulais à l'époque, mais je sais pas. Avant l'époque, j'achetais pas tellement de choses aussi quand je suis arrivé sur Internet au début. Donc évidemment, bah cette danse-là, je l'avais vue, mais je l'avais jamais acheté à l'époque. Voilà, tous les skins casse-noisette, ceux-là, on l'a déjà vu. Les skins de la Noël là aussi, là aussi. Il va rester quelques jours encore en boutique, les gars. Juste au prochain skin. D'ailleurs, normalement, la semaine prochaine, on a une mise à jour qui va annoncer du coup le calendrier de Noël de Fortnite. 2 semaines où il y aura un calendrier à ouvrir pour avoir des récompenses et qui sera quotidien de Noël. On aura également la mise à jour pour sûrement des nouveaux skins de Noël. Logique. Donc, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont proposer cette année. Et puis, game, j'espère qu'il y aura des trucs stylés qu'on n'a pas encore vu dans Fortnite. Je sais pas, les skins, il y en a tellement de trucs à rapport à Noël. Un peu d'ingénuité version Noël. J'espère qu'ils vont faire des trucs de dingue. On verra bien. Du coup, là, c'est toujours les mêmes. Les footballeurs.
Nouveau Rick et Morty. Bon, Rick et Morty, ils campent depuis un mois, c'est bon, on les a vus assez. Et du coup, tous les clubs, machin, ok, c'est bon. Tous les packs, c'est les mêmes qu'hier. On est bon. Sur ce, les petits potes, moi, je vous dis à demain pour toujours pour cette vidéo. Et des prochains lives sur ce. Bye bye! Hop!